Bonjour à tous et bienvenue dans Regard d'experts, votre rendez-vous avec des chercheurs. Et dans cette émission, nous sommes en compagnie d'Hélène Xuan, directrice scientifique de la chaire Transition démographique, Transition économique. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre chaire? Alors la chaire Transition démographique, Transition économique, c'est une chaire qui est portée et qui a été créée par Jean-Hervé Lorenzi. Et elle étudie l'impact socio-économique du vieillissement, donc toutes les transformations économiques et sociales qu'engendre le vieillissement sur la société. Mais surtout, votre analyse est plutôt originale puisque vous portez un regard intergénérationnel sur toutes ces questions. Alors pourquoi une telle approche ? On observe qu'aujourd'hui, le principal effet du vieillissement, il est porté par l'allongement de l'espérance de vie. Alors en bonne santé ou en mauvaise santé, ça c'est discutable, mais que du coup, l'allongement de l'espérance de vie modifie les temps de vie et les cycles de vie, enfin ce qu'on appelle le cycle de vie en économie, et de manière générale pour vous, les temps d'éducation, de vie active et de retraite. D'accord, alors un autre exemple qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la rente viagère. Alors quelles sont les conclusions de vos travaux en la matière ? Économiquement, on observe que la rente viagère, c'est le produit parfait pour se prémunir contre les risques vieillesse. Dans les faits, on observe que la rente viagère n'est absolument pas diffusée. Il n'y a pas de succès, en fait. Il n'y a pas de succès du tout. Alors, une des explications, c'est que la rente viagère, c'est un produit d'épargne, mais d'épargne à perte. Ou lorsqu'on arrive, par exemple, sur le produit typique, c'est le produit dépendance. On arrive en dépendance. Si on ne s'est pas assuré contre la dépendance, on espère avoir un patrimoine suffisant. Maintenant, si on oblige les gens à s'assurer contre la dépendance, pour qu'ils prennent une rente viagère, mais que la dépendance n'arrive pas, c'est vraiment un produit à perte. Donc André Masson, qui a développé ses travaux sur le viager intermédiaire partiel, explique simplement que pour se prémunir contre ce risque, enfin, cette absence de volonté des gens de s'assurer contre le risque dépendance ou le risque vieillesse à la rente viagère, il suffit simplement, entre guillemets, de permettre aux gens, lors du départ à l'âge, du départ en retraite, de transformer une partie de leur patrimoine en rente viagère et de céder le reste, soit aux enfants, enfin, ce qui permet de leur céder en fait une partie en donation. Alors justement, pour aller plus loin dans vos réflexions, vous avez récemment lancé un think tank économie et génération. Alors, quelle est la différence avec la chaire ? Le think tank nous permet d'aller un cran plus loin que la chaire transition démographique. La chaire, c'est vraiment un outil de vulgarisation de la recherche et le think tank, ça nous permet de transformer la recherche en proposition de politique économique. Mais alors, où en est le calendrier aujourd'hui de ce groupe de réflexion ? Alors, le think tank a été lancé le 30 mai. Notre premier rendez-vous aura lieu le 11 juillet. Et ensuite, on va organiser des groupes de travail et lancer tout ça sur les sujets tels que la protection sociale, le financement de l'économie, dans la perspective intergénérationnelle. Mais vous avez quand même déjà des propositions, je crois. Oui, aujourd'hui, on a quand même des propositions sur le marché du travail des seniors, effectivement sur accélérer ce qu'on appelle la circulation du patrimoine. Parce qu'on observe que les baby-boomers ont accumulé énormément de richesses. Aujourd'hui, on est sur une problématique et comment financer la vieillesse. Et donc, un des enjeux, c'est qu'ils transmettent plus rapidement leur patrimoine. Donc c'est le viager intermédiaire partiel, mais c'est aussi taxer relativement plus les héritages que les donations pour favoriser les donations du vivant. Sur le marché du travail des seniors, simplement, on observe que le taux d'emploi des seniors en France est extrêmement faible par rapport aux autres pays. Et un des freins majeurs, c'est ce système un peu spécifique en France d'allocation chômage des seniors. Oui, et puis surtout pour vous, quand vous parlez retraite, vous pensez aussi marché du travail, puisque vous estimez que le marché du travail, c'est le terrain, la prévention pour arriver en bonne santé au moment de la retraite. Exactement, parce que les études scientifiques et médicales ont démontré que lorsqu'on travaille plus longtemps et donc on retarde l'âge de départ en retraite, ça permet aussi de reculer et de retarder l'apparition des maladies neurodégénératives. Et c'est vrai que dans une perspective de société qui vieillit et qui vit plus longtemps, on a tout intérêt à travailler plus longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que de travailler plus longtemps, d'avoir un équilibre entre la vie active et la vie, entre guillemets, de loisirs. Hélène, merci. Merci. Donc on le voit bien, beaucoup de pistes de réflexion. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'experts sont consultables sur le site finexchange.org. À très bientôt.